Hey donc les amis, je suis Mixman et je vais vous faire voir comment on fait enfin pour avoir plus de vues sur ces vidéos YouTube et d'une manière rapide et simple et en express. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous voilà sur YouTube. Hein, donc le truc en fait, c'est d'aller sur notre chaîne. D'accord. Jusque là, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, là je suis sur ma chaîne. Et donc le truc, c'est d'aller dans vidéos. Voilà, dans les vidéos, dans une de vos vidéos, vous choisissez une vidéo. Voilà. Donc, je vais voir un peu comment et où se placent les hashtags. Ok, donc là, voilà. Vous voyez là le petit truc en bleu avec le hashtag et puis les petits mots. Hein. Donc c'est ça qu'on va mettre en place pour avoir davantage de vues sur vos playlists, sur vos vidéos, etc. Quoi, en tout cas sur votre chaîne YouTube. Donc le truc, c'est de chercher, je vais vous faire voir un peu comment on fait directement. Donc ça va quand même aller assez vite à partir de maintenant. Donc je choisis par exemple cette vidéo. Voilà, hein, donc la vidéo se met en route. Ce qui nous importe, on peut mettre pause, hein, c'est d'aller ici dans modifier la vidéo. Une fois qu'on arrive dans modifier la vidéo, on va dans la description, vous voyez, et n'importe où, soit au début, à la fin ou au milieu, moi je vais choisir le milieu, on va mettre hashtag Mixman, donc tout attaché et voilà quoi, donc sans point, sans rien, et on fait enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on peut aller voir tout de suite, voir si le petit truc s'est inscrit. Apparemment, il n'a pas été inscrit. On va mettre à jour la page. Voilà, ça va quand même assez vite. Et puis, vous voyez, ici, sous la vidéo, il y a le petit truc hashtag. Alors qu'est-ce que ça fait? Donc en fait, quand la personne va regarder la vidéo, il suffit qu'elle clique sur ce petit truc là. Donc on peut tout de suite y accéder, même sur le téléphone, puisque plutôt que d'aller dans la description, ce qui n'est pas simple à aller quand on est quand on visionne au téléphone, on aura plus de facilité pour voir le petit hashtag qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, et ben regardez bien les amis, on arrive sur une playlist de vidéos qui concernent notre propre chaîne YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a des centaines, etc. Et d'autres aussi youtubeurs hein, qui postent des vidéos peuvent en fait se mettre dans notre playlist. Donc c'est très intéressant puisque finalement les gens qui vont regarder votre vidéo peuvent regarder aussi la vidéo des autres youtubeurs, comme par exemple ici. C'est une vidéo qui ne m'appartient pas, mais la personne s'est installée ici. Et du coup, bah, vous voyez, il y a soit on peut visionner la vidéo qui se trouve de DJ Mixman, hein, voilà, au-dessus, et la vidéo qui concerne Man Maria, qui n'est pas ma vidéo, mais on peut supposer cliquer dessus. Voilà, donc ça peut lui faire une vue, moi ça me fait une vue, là il circule ici, et ben du coup ça fait une vidéo pour moi, puisque ça m'appartient même pas, non, celle-là ne m'appartient pas, celle-là oui, voilà. Donc vous voyez, on arrive sur une playlist où finalement on a des chances d'être visionné puisque on fait partie de la playlist. Donc je vous encourage à mettre voilà, votre petit hashtag comme je vous ai fait voir. Donc c'est simple, hein, vous marquez hashtag Mixman et tout attaché. Et voilà, je vous garantis que vous trouverez dans cette playlist là ou dans une autre playlist qui a été conçue
et qui sera sans doute visionné par des auditeurs, et donc vous aurez peut-être une chance d'avoir une vue ou même plusieurs si vous mettez plusieurs vidéos. Et du coup, voilà, c'est un fait de partage, en fait, on visionne les vidéos des uns et des autres, et ça permet aussi de se faire connaître par l'intermédiaire d'autres youtubeurs, en l'occurrence c'est Mixman. Donc voilà, je vous encourage à le faire, ça peut aller très vite, hein, donc je vous faire voir un peu comment c'est manipuler le truc, et du coup, voyez, le petit truc bleu. Et donc, je vais vous faire voir que sur ma chaîne, c'est efficace pour d'autres vidéos que j'ai installées. Hein. Par exemple, une des dernières vidéos, là j'ai 125 vues, mais si on clique dessus, on voit que j'ai mis mes petits hashtags. Et donc, voilà, on peut arriver sur des playlists. Hein. Ça fait partie de YouTube, mais c'est un petit truc en plus. Voilà, ici on a même des playlists. Ça fonctionne aussi sur des playlists. Voilà, il y a 50 vidéos si la personne clique là-dessus. Ici, ce sont des vidéos qui n'appartiennent pas, mais qui font partie de Jazzop, hein, notre groupe partenariat. Donc, on arrive, vous voyez, sur des vidéos qui ont 880 vues, 182. Voilà, il y a 24 000 vues. C'est quand même des gros trucs. Hein. Il y a 44 000 vues sur celle-là. 400 ici, 300, 100. Vous voyez, il y a quand même des bons sponsors. Ici, il y a 100 000 vues, hein, ici, donc c'est quand même pas mal. Et là, regardez, 1 million de vues sur cette vue. Donc, finalement, donc là, on peut se trouver sur sur une de ces playlists comme ça, qui est vraiment intéressante, puisque les gens qui sont fidèles et qui regardent des gros youtubeurs comme là, par exemple, ici, 3800 vues, enfin, vous voyez, il y en a d'autres. Et bien, si on se trouve... Dans leur playlist, hein, finalement, et bien, on a une chance d'être vu, et ça, ce sont des vues gratuites, puisque du coup, c'est même pas par notre intermédiaire, mais par l'intermédiaire d'autres youtubeurs qui ont posté nos vidéos, et du coup, on a des chances d'être vu. Voilà, donc on augmente largement et très largement notre petit cheptel de vues sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis. Et puis j'espère qu'on se reverra sur une autre vidéo. Hein, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!